Hey, salut Twitch, salut Pixel TV, salut YouTube aussi. Coucou YouTube. Ah, ça fait du bien d'être là en stream. Ah oui, ça sert à rien sur le chat, c'est vrai. Tac. Non, je veux dire. On va cacher ça ici. Dans le chat, le seul unique chat. Oh, on est 5, incroyable. Bonjour tout le monde, on est sur Drive Club pour se rapprocher un peu plus des 100%. En espérant qu'il me reste assez de choses à faire pour tenir 2 heures, mais je pense que oui, vu que je suis pas bon. Incroyable. Qui est là? Qui est là? Incroyable. Bonsoir, bonsoir, enfin bonsoir, bonjour. L'habitude de streamer le soir. Truc de dingue. Est-ce qu'il y a du monde le samedi? Bonne question. Du coup, tac tac, on va pas perdre de temps. J'ai un peu le retard évidemment. Excuse. On va tout de suite faire un petit chrono avec la Mercedes SLS MG Coupé Black Series double 4K en Dolby Atmos avec retour de force haptique en VR. j'avais pas réussi à faire le chrono parce que j'étais pas frais. Voilà, voilà. Hey, salut Ben. Première fois qu'on se croise en live, non? Il me semble. Bonjour à toi. N'hésite pas à me dire s'il y a un quelconque problème d'ailleurs. Tu vas me servir de viewer test. Évidemment, s'il y a un problème de son, de mixage, de vidéo, quoi que ce soit. Incroyable, Ben. Bah écoute, très content de te voir sur ce stream. Ah là là. Toujours, tiens, j'ai tout de suite checké. J'ai pas encore eu l'occasion de te voir en stream, me semble, quoique, attends, j'ai un doute. Ah, c'est toi qui joue à Jurassic World Evolution. Ah ouais, le vendredi à cette heure-là, ouais, je peux pas être. Pas être là. Dommage. C'est compliqué, et puis bon, garder en différé, c'est cool, mais j'aime bien l'interaction, c'est dommage, tu vois. Ok, nickel. C'est surtout que ça va gueuler avec les caisses. On va se mettre à un petit moins 16. Ça va être bien, je pense. Allez, on va chauffer. Tranquillement. Ah oui, c'était cette course-là. Ah oui, je suis pas persuadé de faire la médaille d'or. Comme d'hab, à chaque fois qu'on joue à Drive Club, évidemment, on va pas tryhard. On va juste faire 2-3 essais si j'échoue. Et puis. Ok, ça commence bien, ça commence très bien. Faut chauffer, hein. Je vois et pour éviter. Ok. Du coup, alors. On va sûrement pas faire la médaille d'or au premier tour vu que l'ordi est lancé plus rapidement que moi. Alors, c'est le temps de me chauffer. 36-15 my life, j'ai dormi 2 heures. Je suis rentré genre 7 minutes avant le stream. Ah oui, c'est ce virage là qui me traumatisera je pense jusqu'à la fin. Jusqu'à que j'ai 100% sur le jeu. Donc là je suis devant moi-même, incroyable. Ici ça fonce, je fais pas de bêtises. Ouais, ici je peux rattraper grave du temps. C'est plutôt bon hein, avec le temps que j'ai perdu dans le deuxième virage. Vu comment je colle à mon précédent fantôme et à la médaille d'or, c'est plutôt bon. C'est ici par contre. Là je repars très très mal. Bah écoute, ça fait plaisir. Et d'avoir que des gens compréhensifs, voilà, ils repassent devant moi. Ça fait plaisir. Que ce soit sur ma chaîne ou ici, j'ai que des gens qui sont très compréhensifs. Et pourtant, ça m'ennuie vraiment de. Ah, il arrive quand même à être plus rapide que moi, incroyable. Ça m'ennuie toujours d'annuler ou d'être là en retard, etc. Mais je peux pas lâcher l'affaire. Ah, j'arrive trop fort, beaucoup trop fort. Ah ouais, non, 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 c'est nul, c'est nul, c'est totalement nul. Et là, j'avais 2 minutes avant de lancer le stream. Ah, mais moi, c'est toujours comme ça, je suis toujours limite, c'est un truc de dingue. Bon, là, j'ai pas d'excuses, mais en fait, enfin, si. J'ai plus de manette de PS4 et je me suis dit mais Emmanuel tu stream sur PS4 du coup bah fallait bien une manette. Voilà. Bon, les raisons pour lesquelles j'ai plus de manette de PS4 c'est des raisons obscures. Indice paladin mauvaise équipe. Ah, je suis mauvais dans ce virage, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh là là, on dirait que j'ai jamais joué un jeu de caisse de ma vie. Incroyable. En plus je peux l'avoir facilement, il est pas dur. Juste que je fais vraiment des erreurs toute bête en fait. Même s'il n'y a jamais d'erreur intelligente évidemment, mais. En fait, quand je fais un tour parfait, enfin ce qui me semble être un tour parfait vu mon niveau, et que j'arrive pas à battre le chrono, ça m'inquiète. Mais là, ah, par exemple, ça c'est une erreur.
Ah ouais, je reste en 4. Incroyable. Mais ça aussi, ça me peine de jamais pouvoir être sur le stream des gens, que ça soit bah, des collègues ou de mes viewers perso. J'aimerais être sur le stream de tout le monde parce que bon, bah, c'est kiffant quand même. Mais à chaque fois. Voilà. Voilà, en 3 c'est bien. Je suis derrière, mais en 3 c'est mieux. Ouais, je suis en manuel. Voilà, voilà. Eh, ce virage. Je t'assure que ce virage, il me met. J'ai combien d'heures de jeu sur Drive Club? Je sais pas, 50, un truc comme ça. Mais tu sais, je sais pas si ça te fait. Je sais pas si tu joues au jeu de caisse. Mais il y a toujours un virage. Genre, moi je bug psychologiquement sur un virage. Tu sais, je peux y passer genre des centaines de tours. Et bah, j'aurai toujours le même problème, peu importe la voiture. Genre, le virage ne passe jamais. Je sais pas pourquoi. J'appelle ça le Némésis, tu vois. Parce que t'as toujours un virage qui est là, qui me traumatise. Ouais, non, mais sérieux. T'es ouf. Non, t'inquiète, ça va. Drive Club est assez. Assez user friendly, si je puis dire. Tu sais, il a un bon mix entre l'arcade et la simu. Évidemment, toute proportion gardée, hein. C'est pas du GTR ou du Project Cars. Mais tu sais, il est. Bah, tu vois, dans la conduite de la voiture, c'est pas arcade comme un Ridge Racer, tu vois. Tu sens qu'elle drift un peu, elle tire un peu tout droit. Tu vois, je suis un peu en glissade. Mais tu peux quand même freiner relativement tard. Tu peux accélérer relativement fort aussi. Bon, là, je suis très très mauvais. Et non, mais je suis habitué, tu sais, Tu vois, là, tu vois que c'est pas arcade parce que t'as senti, je pense, l'arrière décroché. Même si je suis en vue capot. Parce que c'est là où je suis meilleur en vue capot ou en vue intérieure. En vue à la troisième personne, j'y arrive pas. Et l'arrière a décroché, et salut quoi. Du coup, ouais, non, oui, c'est l'expérience parce que je joue, bah, c'est ma spécialité, jeu de caisse. Après, je suis pas extrêmement bon non plus. Mais tu vois, quand tu joues à Project Cars sans les aides, ouais, là, ça devient chaud. Voilà. Forza aussi, c'est déjà un peu plus chaud. Jouer sans l'ABS, sans le TCS, et jouer en manuel avec embrayage. C'est-à-dire que j'ai une touche pour embrayer, débrayer. Petite mise à jour de Spider-Man. Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Le prochain virage, logiquement, je peux passer fort. Voilà. Ah, alors désolé hein, si je te réponds pas instant. Sur le jeu où je suis, c'est un peu compliqué. Il y a des jeux de casse où j'y arrive. Drive Club, il demande quand même un peu de concentration. Tu vois que ça va quand même très vite. On a une bonne impression de vitesse. Est-ce qu'il va me repasser ou pas? Est-ce qu'il va me repasser avant la ligne? Il me repasse pas. Attention. Non, c'est bon. Oh, elle. Non, je stream. Alors là, oui, je stream que sur PS4, mais je stream sur en général Xbox One, PS4, PC, parce que c'est le plus simple à streamer. 360 aussi, ça m'arrive. Bientôt PS3. Je peux la streamer, c'est parce que j'ai pas de jeu encore. En fait, j'ai pas pensé à voilà, aucun jeu qui me tente. Et là, j'essaye de voir pour streamer la première Xbox, la PS2 et la Dreamcast surtout. Sur ma chaîne perso évidemment, sur la petite stream TV en général, je fais beaucoup de jeux de bagnole parce que c'est là où je suis le plus agréable à regarder, enfin je pense. Tu vois par exemple, je suis très mauvais au FPS. Si je joue à Battleground ou H1Z1, des trucs comme ça, ça sera clairement... ça sera très drôle hein, mais ça sera pas forcément très agréable à regarder. Du coup, je fais essentiellement des jeux de caisse. Voilà. Ah, tu vois que c'est pas... t'es pas full arcade, tu vois. Du coup, c'est bon, une 24, je sais pas combien j'ai fait d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe. Je vais faire une 23, pas grand chose. Ah non, c'était une 17, j'ai fait une 16, 928. Ah oui, je suis vraiment passé à un poil de chat. Effectivement. Mais c'est passé. C'est temps de se chauffer. Ça va, c'est passé. Tu vois, il suffit juste de faire un tour propre en fait, hein. Ça ne demande pas vraiment. Bon, je suis 47 millième mondial, mais bon, c'est pas le.
J'ai lâché l'époque où je faisais des chronos. Du coup, tu joues un peu au jeu de casse, toi, ou Jurassic World Evolution, c'est pas un jeu PC, si je dis pas de... Je sais pas du tout, hein, parce que le dernier Jurassic Park auquel j'ai joué, c'était un jeu de gestion sur Xbox One, je crois. Il me semble que Jurassic World Evolution, c'est un jeu PC, je crois. À moins qu'il existe aussi sur console, c'est possible, mais... C'est sûrement un jeu de gestion aussi, je pense. Enfin, dans le même délire, vu le nom, je sais pas. Tac, tac, oui, mon chat, il est là. Ah, ça fait plaisir. Bah voilà, une petite médaille d'or en plus. Du coup, ah, c'est un championnat, ça m'emmerde un peu, oui, de le recommencer, parce que bon, il me manque une médaille. C'est terminer dans le top 3 et traverser un secteur en plus en collision. Ah oui, il y avait un truc dur là. Je sais plus où j'ai foiré. Ah oui, c'était où? Ah ouais, c'était compliqué, il fallait faire un secteur propre, je crois. C'était où? Ah non, c'était pas là? Étrange. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, là, je vais même pas tenter, c'est du drift. Le drift, je le garde pour le pour me détendre. Là, on a une course. Est-ce que c'est pas ici? Ah oui, c'est celui-là. Traminer en première place et traverser deux secteurs au plus sans collision ni sortie de route. C'est compliqué dans le sens où vu qu'on est avec d'autres voitures, bah faut que tu termines en premier. Mais pour valider l'étoile, faut aussi faire deux secteurs sans rien toucher. Donc c'est pas deux objectifs individuels. Ils sont fusionnés pour avoir une étoile. Donc on va retenter. Ouais, je le garantis pas. Sincèrement, celui-là, je le garantis pas du tout. Parce que deux secteurs, c'est bah, deux tiers de la course, en fait, je crois, ni plus ni moins. Et si c'était juste un objectif individuel, je pourrais rester en queue de peloton et faire les secteurs propres. Or là, je ne peux pas me permettre. Il faut que je bombarde pour être premier. Et si un autre gars te touche, c'est considéré comme une collision pour toi, en fait. Alors que là, t'as rien fait, c'est pas de ta faute. Bon. Oh, le bruit! C'est vrai qu'on est deux. Ça commence bien. Je crois que la technique, il me semble que j'avais vu ça la dernière fois que j'ai streamé, c'est de rester derrière lui tout le long et à la fin il ralentit. Faut juste que je sois vraiment 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 derrière son pare-choc. Il suffit que je fasse coup propre. Et logiquement ça passe. À la rigueur j'assure les deux premiers secteurs et dans le dernier je bombarde. Ouais, je pense que je vais faire ça. On a... Non, non! Oh. En fait, j'ai checké mon retour en fait pour voir si l'objectif était pas caché. L'objectif est un peu caché par l'overlay. Mais... Du coup, j'ai foiré. Donc ça, c'est la même que la précédente, même voiture. Sauf que c'est la version encore plus badass. Vraiment full course. En fait, vraiment encore plus que partout ailleurs. Le mieux est l'ennemi du bien en matière de pilotage. À force de vouloir trop accélérer trop vite, trop tôt, freiner trop tard, mais en fait ça sert à rien. Et là je veux trop speed en fait et je devrais juste conduire tranquille. On voit bien que c'est la. Bon, ça c'est idiot ce que je fais. On voit bien que c'est la version course car il n'y a que 6 vitesses contrairement à l'autre, il y avait 7 vitesses. Bon là clairement je fais des sorties de piste. Il est lent donc ça donne envie de le doubler. Rester tranquille. Bah oui. Mais malheureusement, j'ai foiré mon premier secteur, je pense. Non, ça va. On a le zéro qui dépasse de l'overlay. Donc c'est bon. On peut voir. À zéro secteur pour l'instant de clean. Parce que j'ai foiré le premier, j'ai roulé. Là, je pourrais le doubler, hein, mais. Un secteur de clean. On est déjà à 75% de la course, donc il reste un seul secteur. Donc c'est ça, j'ai foiré mon premier secteur. Là, ce qu'il faut, c'est le doubler, mais proprement. Ah, voilà, bon, ouais, c'est mort. C'est mort. Incroyable. Si je foire pas mon premier secteur. Logiquement, dans le secteur là où je viens de sortir, je pourrais bombarder et pas grave si je sors.
Théoriquement, il y a 3 secteurs sur une course. Je pense pas qu'il y ait que 2 secteurs. Ouais, je vais le prendre. Ouais, je peux le prendre à la spin. Mais... J'ai pas besoin de faire un chrono, donc reste tranquille derrière lui. Il est prenable. Donc... Parce que si je passe devant, à un moment, il va forcément peut-être être plus rapide que moi. Et il va me toucher. Ça va faire foirer mon secteur. Ah, je t'avoue, il freinait comme un dingue. C'est tentant quand même. Hein. Voilà, un secteur de clean. Donc c'est bon. Je reste derrière lui. Je vais cleaner le deuxième secteur, je pense. C'est pas grave. Je vais prendre l'avance, mais je m'en fiche. Tranquillement, on attend le deuxième secteur. Là, on est à 1 sur 2. Enfin, j'ai oublié de relâcher l'accélérateur. Voilà, deuxième secteur, c'est bon. Maintenant, je peux attaquer. Je peux même faire le forcing. Vous êtes au freinage? Là au freinage, je peux l'avoir. Oh la bosse, oh la bosse. Allez, allez. Allez. Allez, la ligne droite, allez. Allez, allez, allez. Ah. Oh là là. Qu'est-ce qu'on aime ce genre de finish. Moi personnellement, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce que j'aime les courses comme ça. Ah, je suis fan. Incroyable. Ah, j'adore. Ah, c'est trop stylé. J'aurais même pu faire encore un peu mieux. Genre vraiment juste un capot. En finale, j'ai un peu cassé suspense parce qu'on a vu que j'étais largement devant. Mais ah, c'est beau. Voilà. Voilà, petite moisson d'étoiles. Incroyable. Ah là là. Du coup on a le championnat, mais bon, peut-être ça me fait un peu de drift. On a un chrono ici. Ouais, je vais faire un chrono. C'est le plus chaud. Ah ouais, 2.31. One man, one engine. Ok. Bah allez, c'est parti. Hein. Vu qu'en plus c'est la caisse de tout à l'heure. Une tonne 280. Alino, salut. 15h25. Oh, ça a changé. Bah ouais, écoute. Si on veut percer dans le game. Non, mais c'est parce que j'ai pas streamé mercredi d'ailleurs, comme tout le monde de la semaine. Et du coup, je décale mon stream de la petite stream TV ici. En peine d'après-midi. En général, des fois ça m'arrive de streamer. Bah, si c'est prévu. Enfin, c'est prévu. Si tu me suivais sur les réseaux, comme Diao, bah tu le saurais. Hein. Instagram, Twitter, tout ça. Dans le programme quand d'ailleurs ton stream? Ah, d'accord. On va faire deux secteurs sans collision, une sur celui-là. Ça va être sympa, ça. Ok, c'est une patinoire. Ok, bon, là, genre... t'as un planning pour ça. Bah oui, d'accord, mais je vais pas remodifier mon planning si j'ai des canastres. J'ai déjà du mal à tenir un planning. Alino, si jeune est déjà une paire d'auditions. On va faire que je fasse une course en voiture électrique. Bon allez, on se concentre un minimum parce que c'est une longue course. Ah ouais, ça glisse. Bon, là c'est un tour de repérage. On va voir où c'est piégeux. Moins de vent, mais... Vu que les bas-côtés sont gris, j'avoue que même. Il a tapé. Ah, j'ai fait un secteur clean, incroyable. Pas que d'audition.
Ah mais c'est pas le numéro 1 qui est devant, c'est le numéro 2, incroyable, je vais me faire montrer en fait. Ouais, comme je l'ai dit et redit sur les streams de F-Club, plus le chrono est long, plus il est facilement rattrapable. Ah ouais, non mais là, c'est la galère. C'est la galère. Dans l'autre secteur, je pourrais encliner un autre. Le vrai problème, c'est de taper le 2.1. Vraiment. D'accord. Bon. Ah ouais, celle-là va être un peu tricky. Je n'ai jamais vraiment la limite de sortir. Est-ce que tu peux mettre deux roues dans l'air? Est-ce que tu peux vraiment mettre les quatre roues? Donc... Ah, j'ai cuté, je regarde ton message, je disais. Je disais quoi déjà? Je ne sais plus. Oui, que j'avais pas modifié un planning quand je vais faire un stream. Voilà, tenir un planning. Du coup, la modification, je l'ai fait sur mes réseaux. Là, c'est une façon de monter l'interactivité. Je conduis sur des œufs. Ça se ressent pas vraiment, mais. C'est une galère de. D'adhérence. Là, c'est à fond. Si c'est à fond, si c'est à fond normalement, enfin, je vais freiner parce que je vais finir sur ma piste. J'ai pas senti le frein, j'avoue. Non, c'est bon, secteur clean alors que j'ai roulé un peu trop bas côté. À l'aise. Pas à l'aise du coup. Dans la trajectoire. Directement ce qu'il faut pas faire. On repasse devant, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a l'éclair en haut à droite. Hop là, ça c'est bon. Maintenant, on peut cutter. Enfin, pas trop non plus. J'ai pas sauvé pour attraper dans le. Ok, d'accord. Ah oui, les gars, ils sont pas. Non. Non. T'as mis une roue, ça va, au revoir. Ça va, je vais le faire. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, j'ai vu un sur 15 d'ici 2030. Arrête, arrête. Arrête, ça fait quoi 3 mois qu'il n'y a pas sorti de fit. Les gars, on est tellement habitués qu'ils sortent un son par semaine que. Quoi, c'est bizarre! Pas de son en 2019, même si le dernier feat j'ai pas beaucoup aimé. Bon, c'est sûrement parce que les mecs qui font des feats aiment pas, mais c'était quoi c'était pas en mettre la frappe, je crois. Oh, il y a la Porsche en clip.
Ouais, j'aime bien son couplet, mais je vais écouter le son entier, c'est possible. Déjà avec Damso, j'avais du mal. Vitrine, j'avais du mal, parce que j'aime pas du tout Damso. C'est bien ce qu'il fait, hein, dis pas. Hein. Même si c'est pas trop représentatif, le son qu'il a fait avec Global. Mais son dernier album est très très cool, j'aime pas. J'aime pas sa voix, j'aime pas sa petite chose. Voilà, bravo Nils, super pour la trajectoire. En France, Mike sur l'US, c'est pas un album par mois. C'est ce que t'as l'air de dire. Vald nous a habitué à sortir. À sortir un single par semaine. Pourquoi j'ai shooté le. Le panneau. C'est super vue arrière ça, vraiment. Bon, je continue quand même. Ça, c'est une super vue arrière, vraiment. Oh, ouais. Non, calme-toi, Kamaïa, du calme, du calme. Petit freinage. Donc, passe la cape. Voilà. Attention, c'est juste une petite couleur, après, je sais pas, je trouve bien. Après, je l'aime pas, c'est compliqué de trouver un truc bien, je l'aime pas, toi, c'est chou. Moi, ça m'arrive. Clairement pas optimisé, hein. Je suis beaucoup trop. Galère. Arrête de faire ça. Oui, mais on passe devant au même endroit. Raciste. Exact. Bon, attends, je vais te sortir un truc là. Je pense qu'on va pouvoir me traiter. Ça fait rien. Les HW ont forcément fait. Oui. Heureusement, j'ai pas vraiment plus de visibilité. Hein. J'ai un peu à l'abri des HW. Mais sincèrement, je pense qu'on a. Alors complètement, y'a rien. Hein. Voilà, rien. Bon, deux secteurs propres. Et on peut conduire comme un guerrier. Non. Non. Qui est... Non. Mais non. Mais non. Ah, je vois pas où il est. Finalité, tac tac. Allô. Allô. Bon, vraiment, le son du jeu est trop fort. Putain, mais c'est Ben Seed, il y avait pas de problème tout à l'heure. Incroyable, on va se remettre à moins 15 pour le jeu. Finalement, elle est pas compliquée. C'est juste que je fais vraiment des erreurs. Ah. Non, c'est parce que toi, Ben, tu dois pas avoir de problème d'édition, c'est pour ça. T'as peut-être des enceintes de qualité. Bon, là, je vais taper le panneau, info sûre. Si j'ai un secteur parfait, là, je vais tomber. C'est pas celui-là. C'est vraiment ce qui vient freiner pour finalement taper pour perdre du temps. Oh la barrière, comme je l'ai vu. J'ai vu plus près que les gars qui étaient derrière. Minimum quand même, les gars. Là, j'ai un secteur propre. Non, je suis sûr d'avoir tapé le panneau. Ou je l'ai pas tapé. Et pas ça. Merci Oki16 pour ton follow sur la petite stream TV. Bienvenue parmi nous. Et on se déconcentre pas, incroyable. Voilà. On est bien. Là, je suis devant. Je vais faire mon deuxième secteur propre. On peut passer tellement plus vite là. Voilà, deuxième secteur nickel, il passe devant, mais c'est pas grave. On reste au contact. Après je triche, je vais en mettre toi sur le casque. Ouais, effectivement. Tout de suite, on commence à diminuer.
Voilà, on reste. Là on reste au focus. Il s'agit pas de cutter maintenant. Allez, on est bien. On lâche rien. Non, 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 pas-t-il pas. Rivios, salut. Bonjour à toi, comment vas-tu? Non, on n'est pas en Bretagne, mais on n'est pas loin. C'est pas en Écosse, les gars, s'il me semble. Oh, les gars, ce cliché sur la Bretagne, quand même, en 2019, merde. En vrai, il pleut un peu sur toute la France, là, non? La France est une énorme Bretagne. Bah voilà, une médaille d'or de plus. Bon, on n'est pas hyper efficace, mais ça passe. Ça passe. Non, ça fait plaisir, review, ça fait un bail, hein. On a un gros championnat, on peut se le tenter. Ah, on serait pas un peu de drift pour se détendre. Il me restera là, ça à recommencer, mais on le fera une autre fois. Je pense qu'on va se faire ça. On va se faire du drift. Ouais, 10 000 de score, ok, allez, c'est parti. En MGGTS. Ah, peut-être que c'était pas une SLS, c'était une GTA, j'ai pas fait gaffe. J'ai du mal avec la S. Non, la SLR, c'est bon, je la reconnais. La SLS et la GTS. Ah ouais, la SLS, elle est bien carrée devant. Ça, c'est des GTS. Faut qu'elle est aussi fat. Ah ouais, la GTS, c'est celle qui a l'arrière de Porsche. Je suis désolé, les gars, mais quand je l'ai vu il y a 2 ans au salon de l'auto, pour moi, la GTS, c'est une arrière de Porsche, clairement. Un arrière de Porsche. En fait, c'est vraiment tout ce DLC, parce que c'est un DLC, la MG. On va se mettre en vue extérieure. C'est full flotte. Hein. Bon, le drift, on se met en vue extérieure quand même. Pour le délire. Oh, c'était mauvais ça. Oh, c'était très très mauvais. Ah. Ah, j'espère que c'est pas un problème matériel. Ça par contre c'est vraiment un drift que j'ai pas kiffé. Oh, oh, oh. Ah dommage, il était pas sympa celui-là. Dans la zone de vitesse après foire, mais. Bon, on fera clairement pas 10 000 hein. Avec un premier virage foiré et une zone de vitesse foirée. Bon, on sera à 8000 et quelques. Oh, incroyable, 10002. 10002. Oh. Avec un premier virage vraiment vraiment moche, hein, on peut le dire, hein. Si moche que ce temps. Petit aileron qui se déploie. Théoriquement, j'aurais tapé 11 000. Ah merde! Ah oui, donc ok, d'accord. Le truc le pire, quoi. Alors, le pire, non. Alors, chez moi, le pire, c'est vraiment traumatisant. Pas d'un point de vue financier, évidemment, hein, c'est un cartonnerre, mais donc, ça dépend, tu prends même assez d'intérêt. Hein. Mais c'est vraiment au niveau des données, quoi. Ok. Du coup, t'es sur PS4. Et du coup, t'as Drive Club sur PS4. C'était pas super beau. Théoriquement ça passe. Genre ça passe pas. Alors les gars. Tout à l'heure je fais un premier virage vraiment vraiment très moche. Je tape 10003. Là je fais un premier virage très très beau. Pas très beau, mieux quoi. Et je fais que 153 points de vue. Ok, pas de soucis, ben merci d'être passé, c'était très cool. Pas de soucis. Passe une bonne après-midi, un bon samedi, puis un bon week-end. Tous. On va recommencer. Et review, j'espère que t'as Drive Club. Si t'as Drive Club, ça part sur une partie live direct. Merci beaucoup, Ben. T'inquiète, on va essayer. Ça va te passer sur un petit stream, mais je vous garantis rien, mais j'aimerais bien. Je dois te voir ce Jurassic.
World Evolution. Bon les gars, là, on est déjà à 8000. Ah non, on a 6764. Mais pourquoi est-ce qu'on a Audrey Fumi, c'est... Ah oui, d'accord. On a 6764. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, 12492. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas très très beau visuellement, mais bon, on a fait le taf. Ok, à plus, Ben. Voilà. Du coup, les 43, mon PC, c'est un vieux, du coup, plus de pièces d'échange, donc plus de PC sniff. Enfin, d'un côté, ça te permettra de partir sur des bonnes bases. Pour voilà. Essayer de positiver, tu vois. Du coup, les 44, on va peut-être pas partir sur un championnat, vu qu'on va couper la VOD dans 15 minutes, évidemment. Hein, tout ira bien, petite pause d'une minute, totalement... comment on dit déjà, seamless, non? Genre quand c'est transparent, que genre on voit pas le changement. Et puis on reviendra sur Drift Club, évidemment. Bon, du coup, on est bien sur la mission, on a bien avancé. Il y a du All-Star ici. On va se faire un petit chrono. 209. Les gars, je sais pas si vous êtes actif KT RAM ou Golf. Le premier qui me donne une réponse. Si quelqu'un me donne une réponse. KT RAM, Golf. Moi, je sais pas. J'avoue, je sais pas là. Je kiff, j'ai roulé 34 avec la Golf, 22 avec la KT RAM, mais peu importe. Je sais pas du tout quoi choisir. C'est deux gabarits totalement différents. On a 1 tonne 5 pour la Golf pour près de 500 chevaux. Et on a 3 fois moins de poids. Pour la 4T RAM, pour moitié moins de puissance. Golf, allez Golf. Donc la Golf, 1 tonne 5 et 500 chevaux, j'arrondis. La 4T RAM, c'est 500 kg, donc 3 fois moins, mais 2 fois moins de puissance, donc un meilleur rapport poids puissance. On verra. Peut-être que du coup, là, je vais t'handicaper avec la Golf, mais c'est intéressant. Vu que tu m'as dit Golf, il n'y a pas de souci, on fait la Golf. Ça, j'aime bien ça. Si je galère trop, évidemment. Et comment l'intérieur? Oui, c'est vrai que c'est un concept. Ah ouais, d'accord. Hein? What? Ok. Attends, cacahuète. Étrange. Eh, elle est très très agréable. Hein. En fait, elle est une donne 5, on les sent pas. Genre, quand je freine, elle a tendance un peu à décrocher. C'est pas désagréable. Ça m'a un peu surpris du coup, mais... Bon, ça se passe bien pour l'instant, il y a forcément un pillage quelque part, hein, parce que là c'est trop beau. On ne conduit pas vraiment top top et... pas propre. Oui, c'était plus rapide à écrire avec le clavier PS4. Oui, c'était plus rapide à écrire avec le clavier PS4. J'ai cru mal lu, mais mal lu. Donc j'avais mal lu. Mais... Bon bah je voudrais pas dire, mais je pense qu'on va one shot le chrono hein. Incroyable, comme elle est agréable hein. Bon bah voilà. Un one shot de chrono. Fallait faire 2.09. Je peux faire un 2.08. Même pas un 2.5. Voilà, c'est fini. C'est fini. Incroyable. Alors j'aime bien la Golf, mais j'aime pas les jantes. J'aime pas du tout ce genre de jantes. En mode route charrette là, avec des grands bateaux, j'aime pas. Et c'est une propu? Ah ouais, c'est une propu. Bon bah... Emballer, c'est peser. Voilà.
2,05, donc quasi 4 secondes d'avance sur l'objectif. T'as pas fait un pli. Bah écoute, merci de ton conseil, Ravioz. Merci de ton choix, tu vois. Grâce à toi, j'ai one shot le chrono. Les autocollants. Merci, Ravioz. 65 millième. Bah oui, forcément, tu penses bien que si je one shot un 2,05, je pense que les premiers mondiaux ils sont en genre. Je sais pas, 1,55, tu vois, je pense. Hein. Tu vois les classements direct là? Genre le top 50? 1,52, qu'est-ce que je disais? Je pense que je peux descendre en dessous de 2 minutes. Mais c'est fini, je fais plus de chrono. Il y a un gros écart quand même, hein. Sur les 10 premiers, il y a 2 secondes. Hein. C'est énorme quand on fait un chrono. Hein. 1,52,600 à 1,54,800, il y a 2 secondes 2 entre le premier et le 10ème, c'est énorme. D'habitude, c'est genre au 10ème, et là, c'est à la seconde, quoi. Et je fais plus de chrono. Peut-être qu'on se fera des. Si les gens veulent revoir Drive Club en stream, peut-être qu'on fera des sessions chrono comme ça pour améliorer les classements. Mais bon, c'est pas forcément très intéressant à regarder, quoi. Du coup, Arrivios, est-ce que tu m'as répondu? Est-ce que. Tac, tac, tac. T'as quoi comme jeu sur PS4? Tiens, est-ce que t'as Drive Club? Alors, je te demande si t'avais Drive Club. Allez, on se refait un chrono, tiens. Avec des grosses épreuves. Le drift, on va le garder. En plus, encore Mercedes. Donc, il faut finir le tour en moins de 1,38 et le secteur 3 en 37 secondes. Avec la Renault RS01, 500 chevaux pour 1,1 tonne. Ça commence vraiment à causer niveau rapport poids-puissance. On est quasi à 1 cheval par kilo. Ouais, c'est violent. C'est violent, clairement. L'ordinateur, c'est pas moi. L'ordinateur pète le volant. Ah, oh, ouais, là, c'est violent par contre. Ah, c'est violent. Ah mais j'aimais bien cette section, je sais plus trop comment la prendre mais... Ah ouais, j'aime trop cette section. Je suis en 4, je suis en ouf. Je vais tomber à 3 parce que là... La violence du véhicule. Allez, dernier secteur. 37 secondes. Ah, ça va être ton axe. Elle est freinée de dingue qu'elle a. Allez, on one shot aussi le chrono. On one shot tout. Allez, 32, 33, 34. Bam. Allez hop, one shot avec la Renault 001 WRS 4K. Incroyable. Incroyable, je sais pas ce qui se passe, mais là je pense que ce contenu est moins compliqué. Avec les petits retours. Les bruits sont quand même hyper classe hein, dans le club. Oh là là, je vais me taire. On va monter un peu le son. Et on va écouter un peu dans le tunnel. Incroyable, j'aime beaucoup le son. J'aime pas trop la caisse, mais j'aime beaucoup le son. Bon bah voilà, finito. Incroyable, on est en train de one shot les chronos. Pas de Joker, je fais plutôt le jeu Battlefront 2, Tropico 5 ou Batman Arkham. Ah d'accord. Alors on ne pourra pas se croiser, parce que Battlefront, je peux prendre.
prends le gros gros joueur, j'avoue, je prends le gros joueur de ce type de jeu. Objectif numéro 2. Ah, 3 millième mondial, incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait cette course. Et tu es même derrière un ami. Et ben, ça fonctionne bien là. On restera du drift, mais on le garde. Finish line, je l'ai pas encore acheté. Il y a nos limites qui est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, du drift. Allez, on a deux épreuves de drift. On va faire un drift en traction, ça n'a pas de sens. C'est une traction. Ouais, c'est une traction. 300 chevaux, une tonne 3. Et déjà, ça marche une tonne. 300 chevaux, une tonne 3. Le rapport poids puissance est carrément moindre que sur les véhicules précédents. Et pourtant, ça marche très très bien. Un peu moins, je crois, que la dernière, c'est vite hyper. Mais ça marche quand même une tonne. Après cette course, on se drift. Oh, le petit. Oh, la petite dame qui fait plaisir. Après cette course, on fera une petite pause d'une minute. À drifter, c'est compliqué. Il faut atteindre 177, non, j'ai, enfin 171, pardon. Ah non, 177. Ça va être le rouleau drifté avec une traction. Ah ouais, non, ça va être la plaie. Ça va taper. Oh, tant pis, c'est pas grave. J'ai réussi en plus, j'aurais atteint les 177. N'importe quoi. J'aurais atteint les 177, j'aurais one shot le drift. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est vraiment. C'est vraiment AMG qui est dur du coup. Bon, y'a pas photo, hein, les 177. C'est en bas la ligne droite. Je vais prendre une douche et je vois ensuite. Pas de soucis, je suis là jusqu'à 17h. Pas de soucis, bonne douche à toi, détends-toi, tout ça. Un petit thé. Merci. Alors on va voir le. J'ai déjà le platine sur Drive Club, mais on va avoir tous les trophées de tous les DLC. J'aime tellement ce jeu. Puis je trouve qu'il est plaisant en regardant ce film. Je suis là. Bon, ça c'était vraiment mauvais. C'était très mauvais, gars. Très mauvais. Alors, bon voilà, bah c'est bon, on a one shot. Enfin, one shot, non, on a two shot. Bah, c'est bon, ça va, c'est tranquille. Il est 56. Bah, du coup, j'en profite pour couper la VOD. Ici. Si tu vois ça sur YouTube, n'oublie pas que tous les liens sont dans la description. J'ai encore oublié de le dire en début de vidéo parce qu'en 2019, maintenant, je dis ça en début de vidéo pour être sûr que les gens ne loupent pas le moment où je le dis. Parce que voilà, peut-être que tout le monde n'arrive pas jusqu'à la fin de la vidéo et du coup, ne sait pas qu'il y a des liens en description. Sous cette VOD, mais il y a des liens, si tu veux voir la petite stream TV en live, il y a le lien, le Twitter, leur Discord aussi, et tous mes liens perso à moi, Instagram, ma chaîne perso, etc, etc. Je fais ma petite pause pour me désaltérer, je reviens pour 16h, je laisse le jeu, pas de soucis, je laisse la musique, et je reviens l'espace d'un instant, à de suite.